Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre bulletin d'information régionale de Bienne et ses environs. Un bulletin d'information avec une influence d'unioniste démocrate centrale dont je fais partie. Hallo, grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Ihren regionalen Newsletter für Bild und Umgebung. Ein Newsletter mit einer schweizerischen Volkspartei Einfluss zu den ich gehöre. Première information, une alimentation saine dans les écoles et les homes. Gesundes Essen in Schulen und Homes. Lors du dernier conseil de ville du 20 mai, le conseil de ville s'est prononcé sur le projet d'une alimentation saine dans les crèches, les écoles à journée continue et dans les établissements médico-sociaux. Le projet ambitieux vise à atteindre une alimentation biologique à 60% et locale pour les 1300 repas quotidiens, et ce sans surcoût. Le crédit d'engagement adopté est de plus de 8 millions de francs, supporté en partie par l'amortissement des repas. Magnifique projet pour nos enfants et nos aînés. La viabilité financière nous a été presque garantie par la conseillère municipale Glenda Gonzalez-Bassi, non sans une certaine assurance hautaine en répondant au conseiller de ville Daniel Sutter. Während des letzten Stadtrats am 20. Mai diskutiert das Stadtrat der Projekt für gesunde Ernährung für Kindergarten, Tagesschulen und Homes. Die Projekte ziehen auf ab 60% biologische und lokale Lebensmittel für die 1300 täglichen Mahlzeiten ohne zusätzlichen Kosten zu erhalten. Die verabschiedeten Mittel für Verschiebungen belaufen sich auf über 8 Millionen, was teilweise durch die Abschreibung von Mahlzeiten unterstützt wird. Wunderbares Projekt für unsere Kinder und Älteste. Die finanzielle Lebensfähigkeit wurde uns von Stadtrat Glenda González-Bassi fast garantiert. Nicht ohne eine gewisse hochmütige Zusicherung auf Stadtrat Daniel Sutter zu antworten. Seconde information maintenant, l'amélioration de la circulation à Vienne. Verbesserung des Verkehrs in Biel. Lors du dernier conseil de ville du 20 mai, un crédit d'engagement de 420 000 francs a été accepté à une bonne majorité pour l'élaboration d'un groupe de dialogue dans l'esprit du contournement ouest de la 5. Et ceci afin d'appliquer des mesures à court et moyen terme pour désengorger la circulation dans Vienne et continuer le contournement de la ville. Très bien si cela se fait pour désengorger le transit et améliorer l'entrée dans la ville. Espérons que cette fois cela aboutisse. Beim letzten Stadtrat am 20. Mai wurde ein Kredit von 420.000 Franken von einer guten Mehrheit für eine Dialoggruppe im Sinne der Umgehungsstraße E5 angenommen, um kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses im Ballungsraum Biel und zur weiteren Umgehung der Stadt umzusetzen. Es ist großartig, wenn es dazu beträgt, Verkehrsaus zu verringern und den Zugang zur Stadt zu verbessern. Hoffentlich wird es diesmal erfolgreich sein. Troisième information, sans être vraiment d'actualité, la non-participation de la ville aux City Statistiques de l'Office fédéral de la statistique. Nicht-Teilnahme der Stadt an der City Statistik. C'est une information qui me vient de mon collègue Korab Rachidi. Contrairement aux années précédentes, Bienne ne figure pas dans le rapport du City Statistique suisse. Voici les paramètres qui sont pris en compte pour le rapport de la City Statistique. En réponse à la demande du pourquoi, l'OFS a répondu que Bienne n'avait pas donné suite à l'invitation pour des raisons qui lui étaient propres. Alors pourquoi? Et quels sont les résultats et les outils de mesure du conseil municipal sur ces critères? Informationen, die von meinen Kollegen Korab Rachidi stammen. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist der Stadt Biel nicht im Bericht die City Statistik Schweiz enthalten. Hier sind die Parameter ausgeführt. Als Antwort darauf gab OFS an, dass die Stadt aus eigenen Gründen nicht auf die Einladung reagiert habe. Warum also? Und was sind die Mess- und Ergebnisinstrumente des Gemeinderats zu diesem Punkt? Quatrième et dernière information des nouvelles votations pour le 26 septembre 2021. Au cours de sa séance du 19 mai 2021, le Conseil fédéral a décidé de mettre à la votation populaire les objets suivants le 26 septembre 2021. Alléger les impôts sur les salaires et imposer équitablement le capital. Et une modification du Code civil qu'on appelle aussi le mariage pour tous. Vous aurez plus de détails avec les liens qui sont en description. Je ferai également des vidéos de décryptage de ces objets de votation comme pour ceux du 13 juin 2021. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 19. Mai 2021 beschlossen, die folgenden Vorlagen am 26. September 2021 zur Abstimmung zu bringen.
Löhne entlassen, kapitalgerecht besteuern und für die Ehe für alle. Ich werde Entschlüsselungsvideo wie für die vom 13. Juni 2021 machen. Et voici qui clôt cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour qu'on discute des différents objets abordés. Retrouvez plus d'informations grâce aux sources qui sont dans la description. Nous votons le 13 juin 2021 sur 5 objets dont j'ai fait des vidéos explicatives. Vielen Dank, dass Sie mir folgen. Finden Sie alle Quellen in Beschreibung für weitere Informationen. Vergessen Sie nicht, dass wir am 13. Juni 2021 über mehrere Punkte abstimmen. Ich habe mehrere erklärende Videos gemacht. Merci vielmals. À la prochaine. Tschüss.